Bon, bonjour Jordan. Salut Nathalie, comment tu vas? Ça va très bien. Donc Ouais. là, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite interview, un petit témoignage, puisque tu viens de terminer ton programme identité, enfin le programme Identité Gagnante, le programme de l'Académie de Haute Performance. Est passé super vite. Ouais, ça y est, on vient de finir C'est passé notre vite, ouais. sixième séance. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Alors moi, je suis Jordan Fanis, j'ai 34 ans, marié, deux filles. Je suis à la base, j'étais infirmier en spécialisé en santé mentale et en psychiatrie, et depuis peu, je me suis lancé en tant que coach et thérapeute dans le domaine des addictions, plus précisément dans la gestion des émotions, dans le domaine des dépendances et des addictions. Ok, et alors qu'est-ce qui t'a fait du coup venir à l'académie? Alors, qu'est-ce qui m'a fait venir à l'académie? C'est une vidéo de Julien Musique que j'ai regardée, qui interviewait Pierre David et qui Ouais, parlait du concept de dépolarisation. je vois. Mmh. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. J'ai essayé de le faire avec moi-même. J'ai vu qu'il y avait des changements qui s'opéraient. Et je suis quelqu'un, je suis autodidacte. Donc, sans connaître vraiment la méthode, je l'ai appliquée sur mes clients et j'ai vu une transformation. J'avais des retours, plein de messages dans la semaine. Ça Wow. m'a apporté beaucoup. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je me forme et que j'en sache un peu plus. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à collaborer, toi et moi. Et qu'est-ce qui s'est apporté? Donc, du coup, tu l'as fait surtout pour toi, et après, tu m'as dit que, Exact. enfin, on en reparlera, mais tu envisages de Ouais. faire le programme Tech Le programme Dépolarisation. Tech Dépolarisation. Moi, Ouais. ce que ça m'a apporté, c'est ça m'a permis de couper les expériences, négatives, des charges émotionnelles. Donc, toute expérience est liée à une charge émotionnelle. Et la dépolarisation permet de garder l'expérience, mais de couper la charge émotionnelle pour permettre d'avancer dans sa vie. Et ça, quand je l'ai expliqué, que je l'ai travaillé avec mes clients, j'ai vraiment vu j'ai eu des retours positifs. Et la plupart me disaient qu'ils ont l'impression d'avancer le peu de séances qu'on a fait leur a permis d'avancer par rapport peut-être aux 10 ans ou aux 12 ans qu'ils avaient passé dans des suivis psy ou dans d'autres suivis. Donc je me suis Ouais. dit, il faut que j'apporte ça dans mon Du accompagnement. coup, ça t'a donné envie d'en savoir plus et de faire Direct. le programme pour être coach en Direct. dépolarisation, enfin technicien Ouais. dépolarisateur. Direct. Ouais. Sans Et hésiter. comment tu étais avant? Comment il était le Jordan d'avant, avant la dépo? Alors, le Tu peux Jordan nous. d'avant, j'avais la cape de l'imposteur, au fait. Ah J'avais oui. un grand syndrome de l'imposteur. Pourtant, mes clients me disent que je suis bon dans ce que je fais, mais moi, j'avais l'impression de. J'ai, au fait, j'ai, j'avais cette impression de pas être assez, au fait. De, Ouais. voilà, de pas être à ma place, de, voilà, de dire des choses, mais que, voilà, de pas avoir cette légitimité. Et le fait d'avoir fait toutes ces dépolarisations avec toi, surtout la dépolarisation de la peur, ça me permet de faire ce que j'aime faire et d'exceller dans ma pratique. Et dans ton quotidien, du coup, si on compare le Jordan d'avant, le Jordan de maintenant, au quotidien, J'ai comment, moins qu'est-ce qu'il y a eu comme... dans mon quotidien, j'ai moins de peur et comment t'expliquer bon, je fais pas de la dépolarisation tout le temps, mais j'arrive à équilibrer mes perceptions et d'avancer quoi, de me recentrer sur moi et d'avancer. Donc moins de peur et puis moins de, je me prends moins la tête, si je devrais résumer Ouais. pour Ok. Et du coup, si tu te rappelles un peu les séances qu'on a faites, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Est-ce que tu as envie de faire un petit témoignage par rapport à ça? Il y a la dépolarisation de la peur, parce que c'est vrai que lorsqu'on commence ce genre de programme, il y a un aspect théorique qui est très important. Et moi, la dépolarisation de la peur qu'on avait faite ensemble, c'est par rapport à le salariat et l'entrepreneuriat. Ouais, Mais je me souviens. je l'ai ressenti physiquement. Et même toi, tu as vu que, voilà, physiquement, j'ai ressenti le collapse émotionnel. Si on peut, on peut. Ouais, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le collapse? Alors, le collapse, c'est lorsque vous êtes soit on est polarisé soit du côté positif et négatif. Et le collapse, c'est que les deux forces s'annulent et reviennent un peu on va dire, à une charge nulle, entre guillemets. Et on le ressent physiquement. C'est-à-dire que on a l'impression que la charge, elle s'effondre et que même le corps, comme ça, c'était assez. Je peux l'expliquer, mais je pense qu'il faut le C'est ressentir, à quoi. vivre, Ouais. ouais. Et je pense que même toi, tu l'as vu à la caméra, même ma posture. Oui, t'es Ah reculé ouais, en ça, arrière et je, pouf. ouais, ça c'est.
complètement dissous. Ouais. Et du coup, là, on a refait une autre dépolarisation de la peur. Oui. Et C'est une dépolarisation ouais, qui me tenait à cœur. Et bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en tout cas, je t'exprime ma gratitude parce que ça m'a profondément. Comment t'expliquer? Ben, ça a annulé mes peurs, quoi. Il y a autant de bénéfices et autant d'inconvénients. C'est à moi de faire mon choix et de voilà, Ouais. voir ce qui est bon pour moi. Mais en tout cas, merci à toi. Et Voilà. tu le sens vraiment dans ton corps, là, c'est ce qu'on Ouais, dit quel souvent, signe. hein, la dépo, ça va vraiment, c'est pas juste mental, ça va C'est pas vraiment juste mental, impacter c'est l'entité dans le exact. corps. Ouais. Exactement. Ouais. Et Exactement. au niveau de la peur, par exemple, à la fin de la séance, tu n'avais plus de peur du tout. C'est ça. Ouais. Mais particulièrement, la dépo qu'on avait fait ensemble, Ouais, ça, celle-là, c'était vraiment. Ouais, elle était puissante, celle-là. elle était plus forte que les autres, Ouais. ouais. Et même la semaine d'après, je t'ai envoyé un message pour te remercier, pour t'exprimer ma gratitude. Et même après, dans mon quotidien, ben, je me sentais un peu plus. Comment t'expliquer? Plus ancré. Je sais pas si on peut parler de. Ouais, plus ancré dans mon quotidien, quoi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à faire le programme Identité Gagnante Ben, et pour transformer ses schémas? avant tout, c'est un choix personnel. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que derrière la dépolarisation et tous ces enseignements, il y a de la science derrière. Donc tout ça, c'est basé sur de la science. Donc quelqu'un qui hésite, ben, je lui dis, si tu veux avoir une méthode entre guillemets rapide, mais avec des vrais effets, la dépolarisation, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment dans le coaching en francophonie. Oui, c'est par rapport à aux autres méthodes que tu avais Oui, expérimentées. Pour toi, il y ouais. a. Ouais, la dépolarisation, ouais, c'est costaud. Ouais. C'est en termes de quoi? En termes de. En termes de rapidité des faits, en fait. C'est-à-dire qu'on passe pas, on n'est pas dans l'histoire, on ne se raconte pas. Les Ouais. histoires, c'est factuel. Et moi, c'est ce que moi d'abord j'aime bien pour moi personnellement, et c'est ce que mes clients viennent chercher chez moi. C'est factuel, on ne raconte pas du bullshit, on n'est pas dans les histoires, c'est concret. Donc quelqu'un qui hésite, faut pas hésiter, faut y aller. Bon, en tout cas, ce sera chouette qu'on te retrouve prochainement dans la formation pour être Avec technicien plaisir. dépolarisateur. Avec Est-ce que plaisir, Michel. y a quelque autre chose que tu veux partager? Pas forcément partagé. Ben c'est toi te remercier, puis remercier aussi l'équipe de l'Académie de la Haute Performance. J'ai beaucoup apprécié les coachings du mardi. Le fait de se retrouver avec des personnes qui partagent leur expérience. Ouais, merci. Merci à toute l'équipe et puis on se dit à très vite de l'autre côté. Oui, tous les mardis, donc il y a un coaching de groupe en À plus 18, à des vidéos en 18h30, ouais. ligne. Ouais. Ouais. Ou Mais des écoute, en tout personnes. cas. Et juste avant de te couper, ce que j'ai aimé, c'est qu'au début, parce que l'Académie de la Haute Performance, c'est pas de cette année, je l'avais déjà vu un peu tourner sur les réseaux, et c'est vrai que ça avait une approche très sportive, alors que pas du tout. Cette méthode de la dépolarisation, elle peut être adaptée à quelqu'un de lambda, un coach, un thérapeute, un sportif, donc c'est adapté. Celui qui cherche, ben, y a de quoi se nourrir dans cette Ouais. approche. Oui, c'est vraiment adapté à tout type de personnes, du Exactement. salarié à l'entrepreneur, au sportif. Au Ouais, sportif. ouais, ouais, ouais. C'est une méthode qui est éprouvée et qui est, on va dire, cadrée. Donc, on a juste à suivre le process et ça Il y a un fonctionne. protocole, Ouais, exactement. Le un process, protocole. très important. Ouais. Eh bien, écoute, merci, Jordan, pour ton témoignage. Puis moi, j'ai été ravie Avec de plaisir. t'accompagner. On a Moi bien passé aussi. un bon moment. On a passé de bons moments ensemble. Ouais. Merci pour ton La témoignage. prochaine, Nathalie. Ouais, Merci. ciao.